Suite et fin de notre feuilleton, je vous rappelle que cette semaine, nous avons suivi des passionnés de danse. Ils s'entraînent pendant des heures pour briller sur les parquets. Et aujourd'hui, justement, c'est un peu l'épilogue avec le grand bal du tango argentin et le fest-noz breton. Deux danses qui sont désormais inscrites au patrimoine de l'UNESCO comme des monuments. Nous retrouvons la petite Madeleine au fest-noz, la fête de nuit bretonne. T'as bien répété ? C'est sa mère qui tient la caisse. Elle, du haut de ses 7 ans, a la lourde tâche de marquer d'un coup de tampon ceux qui ont payé. Merci. Le bal n'a pas encore commencé. Les musiciens font les derniers réglages de son. Tu peux nous mettre dans tous tes jeux de guitare. Le fest-noz vient d'être mis à l'honneur par l'UNESCO. Il a été inscrit en décembre dernier au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On veut que s'en réjouir. Il n'y a pas que les pierres qui doivent être reconnues, il y a aussi les pierres au sens figuré, celles que tous les danseurs apportent comment dire, à chaque fois qu'il y a un fest-noz. Madeleine et son amie Nolwenn sont de dignes représentantes de ce patrimoine culturel breton. Qu'est-ce que tu as mis comme robe ? Une robe de guéminée, si je ne me trompe pas. Robe de quimperlé pour Nolwenn, et maintenant, en piste. À la Bellevilloise, Sophie et Jean-Luc se laissent emporter dans un tango argentin. Une danse, elle aussi, inscrite depuis 2009 au patrimoine culturel de l'humanité. Oh, ça va ? Surprise, ils retrouvent Enzo. Salut. Leur professeur préféré. Il est extraordinaire. Il faut le regarder danser, le voir danser. Il est exceptionnel. Está en mi corazón. Enzo rend évidente la relation particulière qui naît de la danse. C'est ce qui a séduit Patrick. Ancien rocker, il est maintenant accro au tango. Il a besoin de ses 15 heures par semaine. C'est ma soupape de sécurité dans la vie. Je suis artiste et inventeur et dans le tango, je m'éclate et c'est une autre planète. On dit qu'il y a un danseur sur deux pour lequel c'est une thérapie, le tango. Ah, c'est réellement une thérapie. C'est réellement, c'est pas un danseur sur deux, c'est 4 sur 5 au moins. Pourquoi, comment ça ? C'est un autre monde, on se sent bien, on est bien, on oublie tout le reste. Ils sont sur une autre planète, ces danseurs de tous âges. Madeleine et Nolwenn en tête. Sous les yeux d'Erwan, leur professeur. Erwan, alors, ils dansent bien, là, en moyenne ? Oui, oui, c'est très bien. Du moment qu'ils prennent du plaisir à danser, c'est le plus important. Je dirais que tu danses bien, là. Et des rôles bien, hein ? C'est parce que je me suis assise en se traîner. Ah oui. Gavottes et polkas vont s'enchaîner jusqu'à 1h du matin. Mais les danseurs ne sentent pas la fatigue. Ça me redonne toute l'énergie pour repartir jusqu'au prochain fest-noz. Les tangueros, eux, sont restés les yeux dans les yeux. Très sexuel, sensuel. L'or aussi s'est bien lâché au bal populaire. Il y a une bonne atmosphère, on se laisse prêter au jeu et puis... Ouais, ça fait partie de ma vie. Et comme eux, ils sont 5 millions de Français à virevolter sur les pistes de danse.